le prince Charles et Camilla Parker Bowles ont beau faire preuve d'une très grande complicité en public, la vie de couple n'est pas facile tous les jours. Mardi 7 décembre, la duchesse de Cornouailles organisait une réception en l'honneur du 70e anniversaire de The Yorkshire, un soap opéra britannique diffusé sur BBC Radio 4 depuis 1951. En grande fan du drame radiophonique, qui suit l'histoire des familles Archer et Aldridge dans le petit village fictif d'Ambridge, en Angleterre, l'épouse du prince Charles a prononcé un discours face aux acteurs, scénaristes et producteurs de la série. Très enthousiaste, la duchesse a commencé par faire part de son adoration pour le show créé par Godfrey Bazelay, décédé en 1997. D'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours aimé ce programme. Ce fut un fidèle compagnon tout au long de ma vie. Elle s'est ensuite laissée aller à quelques petites confidences, avouant notamment ne pas supporter que le prince Charles interrompe son écoute quotidienne de The Archers. Comme de nombreux autres archers addicts, je peux devenir grincheuse si l'on me dérange entre 19h et 19h15, a-t-elle plaisanté, et comme des milliers d'autres, j'ai ressenti le manque lorsque vous avez tous disparu pendant le confinement. Quand The Archers se met entre Charles et Camilla comme quoi, l'ambiance n'est pas toujours au beau fixe derrière les murs de Clarence House. Dans la suite de son discours, la duchesse de Cornouailles a salué le travail des équipes de The Archers, qui depuis cette décennie sensibilisent la population à certains sujets de société, notamment l'esclavage moderne et l'addiction à l'alcool. Nous vous sommes extrêmement reconnaissants pour ces 70 années passées à sensibiliser sur les problèmes cachés des autres, a-t-elle déclaré, saluant le doux esprit du programme et sa juste manière de décrire la vie rurale. Depuis 1951, près de 20 000 épisodes de The Archers ont été diffusés.